fils, c'est ta mère. Bonjour maman, et bon anniversaire. Ah, t'as pas oublié. J'espère aussi que t'as pas oublié que tu dînais avec ta mère bien-aimée ce soir. Comment pourrais-je oublier une chose pareille, maman? Je te connais comme si je t'avais fait. Pour mes 65 ans, tu m'as amené cette fille vulgaire, là. Cette fille vulgaire, comme tu dis, c'était ma fiancée. Mais elle était trop maquillée, je l'aimais pas. T'as bien fait de t'en débarrasser. C'est elle qui m'a quitté, maman. Elle a très bien fait. T'es beaucoup mieux qu'elle. Maman, faut que je te laisse, là. Je te rappellerai un peu plus tard. C'est ça, débarrasse-toi de ta mère. Comment tu feras quand je serai plus là pour m'appeler un peu plus tard? C'est dommage, ce casque pour piloter un vélo, là, ça vous gâche la silhouette. Je suis repéré. Il file vers le secteur 5. Je le vois, on reste en contact. Vous avez cédé? Hop, je recompte. On est bon là? On est pas mal. Ça m'est égal. En fait, tu t'en fous de ta mère. Filet dorade, filet dorade. Oh voilà, j'en étais sûr. T'aimes pas mon canard. Si, et je préfère les filets dorade. Bon, bah c'est bien, mon chéri. En fait, tu peux t'occuper du vin? Personne ne sait choisir une bouteille comme toi, mon chéri. Ah, si, c'est vrai qu'avant, il y avait ton pauvre père, Dieu et son âme. Ma répétition va commencer. Hein. Dis-moi, tu peux laisser ton portable décrocher. J'adore t'écouter jouer du piano. Tu sais que j'ai pas vraiment le droit. Hein. Bon, comme c'est ton anniversaire. Réunion de l'orchestre. Ça a bardé pour nous. Dommage. Est-ce qu'il est élégant?
Non, vraiment, c'est agréable pour mon anniversaire. Hein. Une demi-heure de retard. Mais c'est qu'il est presque l'heure. Non, allez, je suis en peine d'huile d'olive, tu m'emmènes à l'épicerie des Acoules. Et que ça saute. Mon bébé. C'est quoi ça? Ça, c'est à Madame Serfati. Elle l'a oublié quand j'ai déposé chez sa fille tout à l'heure. T'aimerais. Sa fille, tu l'as vue? Non. Je sais pas ce que tu as contre cette pauvre Estelle Serfati, qui serait une merveilleuse mère pour tes enfants. Maman, elle est obèse. Ah, pas du tout. 130 kilos quand même. Hein. Ça m'étonnerait. Elle est avocate. Je vois pas le rapport. Tiens, mets ça. Non, non, non. Pourquoi? Parce que c'est l'enregistrement de mon premier disque et... Ton premier disque? Oh, ce que je suis fière. On va l'écouter tout de suite. Non, 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 on peut pas. Parce que c'est le master, tu comprends? Alors si je le mets, il peut s'abîmer. Je veux pas qu'il s'abîme, quoi. Je préfère tout. J'en ferai une copie. Qu'est-ce que ça veut dire encore? Hein? Bah justement, je dois leur apporter le disque pour la, tu sais, pour la fabrication, tout ça. La pochette. Tu vas faire ça maintenant. Le soir de mon anniversaire. Maman, tu l'as lu comme moi, c'est urgent. T'as loupé la rue, là. C'est pas grave, je prendrai au prochain feu. Tu devrais être un peu moins dans la lune, mon fils. Tu brûles le feu rouge, maintenant? Pas du tout, il était vert. En plus, t'as encore oublié de tourner. T'as entendu ce bruit? C'est bizarre, non? Ça serait un feu d'artifice ou des pétards. Artifice en plein jour, non? Tu sais que tu m'inquiètes. T'apprends vite aussi, tu roules trop vite, non? Quoi, rouge? Le feu, là! Le feu, quel feu? Raccourci. Oh, c'est qui ce feu là-haut? Non, tu penses, c'était des voitures de course, elles rouleraient plus vite. Centre sécurité Marseille. C'est qui celle-là encore? Attention, code rouge, besoin de renfort immédiat, situation critique. Bien reçu, je t'en prie. C'est ce charabia. Bon, écoute, arrête ta voiture tout de suite, je veux descendre. Non, tu peux pas descendre, c'est trop dangereux. Écoute, maman, je travaille pour le gouvernement. Il y a des informations capitales pour la sécurité du pays là-dessus. Depuis ce matin, des gens essaient de m'éliminer pour le récupérer. Tu veux dire que t'es pas pianiste? On a le relais à l'appareil. Alors qu'est-ce qu'il y a, mon petit Luc? Il y a que mon fils me dit qu'il est pianiste depuis 10 ans, que c'est que des mensonges. Il ment à sa mère, vous vous rendez compte? Mon fils ment à sa mère. Luc, foncez à l'héliport. Vous aurez un soutien là-bas. Tu peux dire au revoir à ton permis. Il t'a fait flasher. Si c'est une course. Tu l'as gagné, mon fils. J'ai beau avoir 66 ans, c'est toujours pareil. La cavalerie arrive toujours en retard, faut tout faire tout seul. Qui s'y vous prend à tous la saluer comme ça, c'est ma mère? Luc, si vous êtes si bon, c'est parce que c'est moi qui vous ai entraîné. Et si je n'ai pas été mauvais, c'est grâce au général Madeleine, mon instructeur. J'entrerai bien en hélicoptère, moi j'adore piloter.
Vous permettez, commandant? Vous en priez, mon général. C'est votre anniversaire. Je ne peux rien vous refuser. D'ailleurs, je n'ai jamais rien pu lui refuser. Ça va pas être possible.